2007, le premier manga chant a été organisé sous le nom de Beau Manga Chant. En France, le manga, c'est-à-dire la bande dessinée japonaise, connaissait un franc succès. Destiné plus particulièrement à un jeune public, il s'est développé via des médias tels que la télévision et les jeux vidéo. Dès sa première édition, Manga Chant s'est tenu à quelques axes forts. Être ouvert à tous en assurant la gratuité de la manifestation. Proposer un programme varié et pour tous les âges. Karaoké, cosplay, concours d'illustration, origami, maquillage. Promouvoir et valoriser les jeunes artistes tels que Muston, Moemei, Kara et de nombreux artistes encore. Présenter la culture manga dans toute sa diversité où se mêlent la musique, les jeux vidéo et les arts martiaux. Lors de sa dernière édition, nous avons souhaité accorder une place plus importante à l'innovation numérique et aux réseaux sociaux. L'édition 2021, entièrement en ligne, s'inscrit dans la continuité de cette évolution. Mes vifs remerciements à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette manifestation virtuelle. Belle édition 2021 à tous! Le manga est né en 1902, dans un journal du dimanche, voilà, premier manga, et Beauchamp est né en 1922. Vous voyez, 20 ans de différence, voilà, c'était aussi logique que Beauchamp accueille le manga. Le manga est une édition voilà, qui fonctionne très très fort en France, au Japon bien sûr c'est l'origine, mais en France l'édition la plus vendue est One Piece, qui est vendue à 430 millions d'exemplaires, alors que ce qu'on pourrait comparer les aventures de Tintin, qui est la référence un peu culturelle, c'est vendu qu'à 200 millions d'exemplaires, pour donner un peu des ordres de grandeur. Donc c'est vraiment un phénomène de société. Beauchamp s'inscrit dans cette réalité, dans cette pratique culturelle, parce qu'on pense que le manga, c'est aussi une vraie pratique culturelle chez les jeunes et les moins jeunes. Et donc c'est pour ça que l'on vous a donné rendez-vous aujourd'hui, le 29 mai, pour ce Manga Chant. Restez connectés, profitez-en et parlez-en autour de vous.